comme l'année dernière. Ils sont venus, ils sont tous là. C'est ça que tu voulais voir? Et Roche. Roche présent là aussi. Deuxième participation d'équipe Force Sympathique également. C'est une formidable manifestation, très populaire, et qui permet à la population d'être avertie de ce problème du don d'organes qui est crucial, parce qu'on sait faire les greffes, on sait empêcher les rejets, mais on n'a pas assez d'organes pour sauver ceux qu'on a besoin. Donc cette promotion du don, cette motivation du public est essentielle. Noir et blanc, t'as bien, moi. Moi, je me reconnais pas. Bien à toi pendant toute la course. Courage. Vas-y. Nous sommes bien entendu dans le domaine de la greffe présent par nos médicaments, mais ce que nous voulons, c'est aller au-delà du médicament, aider les gens qui souffrent et à les aider dans leur vie quotidienne et dans leur démarche. Et pour ceci, donc, nous avons d'abord soutenu l'équipe des coureurs greffés. Et ensuite, nous avons proposé également de créer une équipe de greffeurs. Et puis nous, finalement, on a posé la question à l'interne, on a dit, mais attendez, soutenir les autres, c'est bien, mais si vous veniez, vous, apporter la preuve que les collaboratrices et les collaborateurs veulent également donner de leur temps, veulent donner de l'espoir, eh bien, ça serait bien qu'on crée une équipe Roche. Et nous avons depuis 2 ans maintenant, c'est la deuxième année, où nous avons une équipe de collaborateurs et qui ont été jusqu'au bout, ça a été leur grande fierté, parce que nous n'avons pas de vrais coureurs professionnels dans cette maison. Nous ne sommes que 1 000-1 200 salariés, donc on n'a pas pu trouver des gens qui soient des vrais professionnels, mais des très bons amateurs, et même d'autres qui débutaient et qui courageusement étaient jusqu'au bout. Les ambitions cette année, c'est de participer pour la course du cœur et surtout de courir pour donner et donner pour la vie, puisque notre ambition d'abord, c'est de participer pour ce don d'organes qui nous est cher, étant donné que moi, j'ai commencé à courir la première fois pour cette cause, puisqu'il me paraît importante et je crois que c'est la meilleure cause qui puisse être actuellement dans la course du cœur. Je suis marraine de l'équipe Roche cette année, étant moi-même employée chez Roche et trouvant cette équipe fantastique de se donner à ce point sur une cause qui ne les concerne pas directement, alors que moi-même je suis directement concernée puisque j'ai bénéficié d'un don d'organe qui est le foie il y a 5 ans. Et que grâce à ça, je suis aujourd'hui en pleine forme et que je peux essayer moi-même de faire une communication autour de cette cause. Courchevel, c'est dans 4 jours et 4 nuits, mais on y sera, ne vous inquiétez pas, on sera au rendez-vous à Courchevel à 18h50. 3, 2, 1, partez ! C'est parti ! Allez, Roche, qu'on applaudit bien sûr. On est à combien? On est à 20 km/h la minimum. À peu près, ouais. 30, 30. 22. Allez! Le dernier kilomètre, c'était un peu dur, mais bon, on est porté par l'événement, par l'euphorie des gens, par la joie d'être ici, la cause, tout ça, donc ça va, quoi. On verra dans 2 jours, hein. C'est dur. Ah ouais? C'est vrai que ça montait, hein? À la fin, là, il y a la côte. Ouais. J'avais pas vu arriver ça. J'ai été 0 là. 0-0. Je suis le dernier là. Non? Tout seul. J'ai pas été embêté, hein? Bravo. Il y a personne avec toi? Ah, devant, ouais. Ah non, c'est devant, mieux. Derrière, personne. T'as raison, moi j'ai fait ça la dernière, tout seul. Oh ouais. C'est agréable. Tu sais que tu vas le remettre à l'arrivée, il faut qu'il soit propre, tu vois. Ouais, bah là. Tu
perturber ça à l'arrivée. Ça va être utilisé à l'arrivée. Ça sent mauvais. Hein. Je peux vous dire que il va le remettre à Courchevel à 1850. Quand ça va être pourri, ça va puer. Et ça, tout le monde arrive. Le truc qui pue arrive à Courchevel. Il pue pas, mon truc. Mais non, il sentira très bon. C'est encore la soupline. Bien. C'est bravo. Bravo. Allez. Ça va ? Ça roule. Humide. Ça va, Fifi ? Ça roule ? Allez, Fifi, on y croit, on appuie ! Et Philippe, si t'as un souci, si ça va pas, tu nous le dis, on change, hein ? Pour le moment, ça va. T'as pas un temps record, mais bon. Non, mais si t'as besoin, on se remplace. Ça fait 12 bornes. C'est pas arrivé, hein. Ah non. Non, c'est vrai, on avait dit qu'on cette année c'était pour participer. Non, non, bon, je croyais que c'était toujours. L'objectif était de participer. Et, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on allait un peu gagner du temps. Et non, on ne gagne rien. Allez, Fifi ! Mon Dieu ! La moitié de course bientôt, la moitié ! Combien on est limité ici ? Là, il n'y a pas de limite, hein ! On peut y aller, hein ! Ouais, la moitié, là ! Allez. Vas-y, Fifi ! Je vais plus avoir de voix, moi. Mais tu te moques pas. Non, je me suis pas moqué, je dis vas-y Fifi, accélère, c'est bon, j'y crois, je crois en toi. Allez Fifi ! Allez, allez, allez ! Appuie, mon Dieu, ils sont devant ! Allez ! Oui, tu vas les avoir ! Allez Fifi ! Allez Fifi ! Ouais, allez Fifi ! Allez Fifi ! Allez Fifi ! C'est la fin ! Allez ! Tu nous épates Fifi, on est avec toi, allez ! Bravo mon coach. Sans lui je l'aurais jamais fait. Allez, vous rendez compte ce soir. J'ai bien fait de l'écouter parce que sinon je faisais 10 bornes et je jetais le vélo. Oh, c'est super, ouais, c'est propre. Il m'a fallu 10 km pour me réhabituer, me mettre en rythme et de comprendre les vitesses et tout. Ouais. Ouais, parce que t'avais pas bien l'habitude d'en faire. Puis j'avais pas prévu d'en faire. Ouais. Non, c'est bien. Brandon, tu t'appelles comment ? Cassandra. Ah, merci Cassandra. Hein, c'est toi qui l'as fait ? Ouais. C'est bien. Alors, il y a Colombe et Chloé. Alors là, il y a Romane, Capucine. On a fait des cœurs. Pourquoi on a fait des cœurs dans la classe ? C'est pour des enfants malades qui sont qui attendent une opération qui est très 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 importante. Il y a eu des coureurs qui sont venus à l'école, qui sont dans l'école là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Eh bien, on les donne les cœurs parce que c'était pour les enfants malades. D'accord. Qui sont dans les hôpitaux. Ils sont tous aussi jolis. Ah, il y en a même avec des dessins, ah, c'est magnifique. C'est mignon les enfants. Vous savez pourquoi vous avez fait des petits cœurs ? C'est pour les gens qui ont mal au cœur. Ça fait toujours du bien de recevoir le soutien de quelqu'un ou de quelque chose. Le soutien, c'est important, quoi. C'est aussi pour ça qu'on fait cette course-là. Ça permet, je pense, de s'en sortir et de forger le caractère et se donner un peu plus dans les moments un peu plus difficiles, quoi. C'est une course, mais à travers la course, c'est une solidarité. Voilà. C'est le but, c'est pas de faire un temps. Le but, c'est de se faire plaisir et d'aller vers les gens, leur montrer que la grève, ça marche. Quoi. Je trouve que c'est fabuleux, ils courent avec nous, ils font les fous avec nous, ils nous aident. Et c'est vrai qu'on y pense tout le temps. Enfin, moi, dès que je cours, je pense à eux. Quand j'ai un moment de faiblesse, je me dis, bon, allez, hop, t'es en bonne santé, alors vas-y, cours. Quand c'est un peu dur, il faut y aller parce qu'eux, ils sont greffés et toi t'es en parfaite santé, donc t'as pas le droit de souffrir, c'est pas possible. C'est une super leçon, je trouve, c'est fabuleux. Quand t'es dans les bonnes côtes et que tu sais plus comment tu vas faire pour aligner un pas, tu te rappelles pourquoi t'es venu, tu sais que tu viens pour faire avancer justement cette problématique du don d'organes. Et là, tu penses à eux et tu te dis que c'est le moins que tu puisses faire, c'est d'aller au bout de l'étape et puis d'y aller fièrement et de finir, vraiment. Voilà. Bonjour, honorable camarade.
Ouais. Genou impeccable. Génial. Je vais tout le monde après. Il va se faire engueuler, Jean-Paul. Pourquoi? Le casque est obligatoire, on va avoir des points au moins. Ah bien. Il faut le mettre sur le casque. Tu peux t'enlever l'autre avant qu'il arrive. Ça nous fait chier. Arrête au niveau du mec, quoi. Je sais pas comment ça se barre, ce truc. Hop, et voilà. Parfait. C'est pas beau comme assistance. Alors, ça, c'est l'assistance. Hein. On a viré ça, hein. Ça faisait chier Jean-Paul. Ah ouais. Donc il n'y en a plus, t'inquiète pas. Hein. Ça va, tout va bien, besoin de rien? Non, super. J'ai l'impression que c'est plus dur que l'année dernière. Ouais. Ah, c'est la fin là. Alors combien il y a? 37. Oh putain, si c'est dur. Je sais jamais quand c'est que tu vas arriver quoi. Tu cours sans fin, sans limite. J'en peux plus. Ça monte. Moi, heureusement que ça se termine. Le vélo, on n'a pas récupéré quoi. Non, on récupère. On récupère pas ce vélo. La sensibilisation, nous on est mobilisés depuis le mois de décembre. On a contacté toutes les mairies pour dire que la course du cœur allait passer. Ensuite on a contacté, on a envoyé des lettres aux écoles en leur demandant s'ils voulaient participer à l'opération 10 000 cœurs pour l'hôpital. S'ils veulent faire des cœurs, on leur dit qu'on a la possibilité de faire une intervention en classe pour aller venir chercher des cœurs et puis parler du don d'organes d'une manière assez simple. Le cœur, ça bat, donc quand on l'a dans la poitrine, on sent ce cœur qui bat, on sent que c'est pas à nous. Et puis petit à petit, ben, quand on nous donne quelque chose en général, ben, ça devient à soi. Et moi, bon, ben, c'est mon cas. Ben moi, je suis transplanté du cœur, ça fait 9 ans maintenant. J'ai eu la chance d'avoir un organe et donc je milite pour le don d'organes pour que d'autres puissent en profiter comme moi, quoi, qu'ils ne restent pas sur la touche. C'est une redevabilité par rapport à peut-être tous les gens qui ont milité pour le don d'organes et puis qui ont fait que y a des gens qui ont donné un organe pour moi. Et moi j'ai envie que les copains s'en sortent aussi parce qu'il y a quand même 300 morts par an qui meurent faute de dons. Moi j'ai été opéré, j'étais quasiment au bout quoi. J'aurais pas pu vivre 2 jours de plus quoi. Bah, disons qu'au départ je leur ai parlé de l'opération, pour qui c'était, et ça les a tout de suite intéressés. Mais le problème c'est qu'ils m'ont posé beaucoup de questions auxquelles moi je pouvais pas répondre. Et finalement c'était bien aujourd'hui que quelqu'un qui puisse vraiment répondre à des questions bien pointues parce que moi je pouvais pas forcément. Quand on est greffé, la seule contrainte c'est de prendre des médicaments. Moi je prends des médicaments 3 fois par jour, à heure régulière. J'ai une montre qui sonne et puis 3 fois par jour, il faut absolument que je prenne ces médicaments. Si je ne prends pas ces médicaments, je risque de faire un rejet. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est mieux, j'en vais.